Salut à tous, c'est un Dédé, on se retrouve de nouveau sur Kingdom Come Deliverance pour le troisième épisode. Alors, ce qui s'est passé, hein, je vais vous faire un petit résumé rapide, c'est que je suis retourné du coup à Scalis, hein, comme on a vu dans le précédent épisode. J'ai réussi à récupérer une pelle, sauf que je suis tombé sur un mec qui était en train d'essayer de détrousser les cadavres en fait, hein, qui était un pilleur, et voulait détrousser le cadavre d'un... du boucher. Et son chien était au train de faire ce qu'il pouvait, hein, pour essayer de défendre. Je suis intervenu pour défendre le chien parce que le mec était sur le point de mettre un coup de pelle sur la gueule au chien. Ce qui m'a pas plu, hein, parce que je suis un vrai défenseur des animaux. Donc du coup j'ai dit non, hein. J'ai dit non, clairement tu vas le laisser peinard, tu vas le laisser tranquille. Le mec a dit oui, pas de problème, je m'en vais. Il a fui, il a prévenu des potes à lui. Et du coup derrière bah il voulait me défoncer, hein. Voilà, que les choses soient claires, ils sont venus m'éclater. Ils étaient je sais pas combien de brigands, un mec avec une énorme massue m'a mis un coup de matraque sur la gueule. Je me suis retrouvé, enfin pardon pour les vulgarités, mais je me suis retrouvé un peu en galère. Et donc me revoilà un peu en mode galérien, pour être honnête avec vous, me revoilà un peu en mode galérien. Donc du coup j'ai quand même eu de la chance d'être sauvé par, par cette fameuse, alors déjà on va récupérer notre arc en même temps. Par la nana que j'ai sauvée là au tout début, Thérèse, et qui a l'air d'avoir quand même, soit dit en passant, hein, pas mal, soyons honnêtes, hein, pas mal flashé sur moi quand même. Encore une fois, Henri a beaucoup beaucoup de succès, donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc globalement, voilà, ça reste assez intéressant, je trouve, dans l'ensemble. Donc on va changer, j'ai quand même me rhabiller parce que là j'ai pris un peu cher. On va équiper l'arc. Hop, on va équiper le bassin ordinaire, le bouclier de Talberg, les bras serrés, les chaussures de noble, la chemise verte s'il y a besoin. La coiffe rembourrée, oui, vas-y. En dessous, le collier de mailles, on va récupérer. Les cubitières de plate aussi, l'écharpe rouge aussi. Le flambeau, on va l'équiper aussi. Enfin bon, ça on peut l'équiper plus tard. On va équiper aussi les flèches, les gants. Le gilet en cuir aussi en dessous. Le hoqueton rouge. Voilà, et puis bien sûr une arme, ce serait pas mal. Et aussi, si possible, le bouclier. Voilà. Donc là on est de nouveau équipé. C'est quand même beaucoup, beaucoup mieux pour nous, hein, on va pas se mentir. Donc c'est elle, hein, Thérèse, qui nous a sauvés. Donc on peut lui remercier. D'ailleurs, on va essayer de. Hop. On peut pas se la faire, tant pis. C'est pas grave. Je voulais essayer de la réveiller tranquillou, mais c'était compliqué. Mais enfin bref, donc globalement, ça reste des bonnes nouvelles. Je me suis pris une gros, du coup, une grosse verrouillée. Et mais voilà, maintenant, dans un moulin. Grâce à Thérèse, parce que les mecs étaient sur le point de m'achever. Et c'est Thérèse qui a réussi à, on va dire, un peu à détourner leur attention. Et qui fait qu'aujourd'hui, elle a réussi à m'a ramener. Elle a pris soin de moi pendant 15 jours. Mais par contre, je dois quand même une coquette somme à son oncle. Donc c'est lui. L'essor du phénix. Ah! Prisbilasi est un village, est un vaste village abandonné. Donc ça, c'est un DLC de longue date. Sur lequel la nature a repris ses droits. Vous êtes toujours demandé quel secret elle recelait et pourquoi les villageois n'y étaient jamais retournés. Aussi avez-vous appris avec plaisir que le seigneur Divish comptait le réhabiliter. Le seigneur Divish vous demande de l'aider à rebâtir. Pribislavis, d'accord, c'est compliqué à dire, mais on va dire, on va l'appeler Pribi. Une fois les brigands chassés du hameau dans la quête principale, le baptême du feu. Si vous ne savez pas où le trouver, cherchez l'icône maison. Toutefois, vous serez dans l'incapacité temporaire de lancer le dessous de continuer à y jouer pendant les quêtes comportant des batailles. Très bien. Mauvaise troupe, oulala. Il est dangereux d'emprunter des grands chemins de la province. Les marchands redoutent de devoir mettre le nez en dehors de l'auberge. Visiter ses proches du village voisin, c'est risquer sa vie. Et ceux qui habitent une ferme isolée dorment avec une hache à portée de main. Car chaque chêne, chaque frêne qui borde la route peut dissimuler un brigand sanguinaire à l'affût. Voir un pauvre étudiant prêt à mettre la morale au rancard après avoir dilapidé tout son argent en boisson. Dans un cas comme dans l'autre... La victime pourra s'estimer heureuse de ne perdre que sa bourse et non sa vie. Vous pouvez commencer à lutter contre les dangers des grands chemins en parlant au seigneur Radzig après avoir terminé la quête de baptême du feu. Ouais, donc cette fameuse quête là, faut la faire quoi. Juste après ce stade de l'histoire, le seigneur Radzig occupera le point de vue qui surplombe Talberg. Par la suite, vous le retrouvez au château de Pirkstein. Bon, c'est compliqué à rater. Si vous ne savez pas où le trouver, cherchez l'icône maison, d'accord. Il est possible que cette mission soit temporairement disponible. Ok, on le sait. Et le tournant, on va zapper. Voilà, donc tout va bien. Donc là, il faut qu'on aille voir notre sauveur, le meunier. Viens voir ici, ok. Donc il a pas d'être très cool. Henri, merci d'avoir pris soin de moi. Henri, enchanté. Merci de vous être occupé. Il faudra aussi que je me lave aussi avec une auge, parce que là, tu connais déjà ma niestère, elle s'est occupée de toi pendant les deux semaines que tu étais dans les limbes, d'accord. Au fait, en parlant de fléau, pendant ta convalescence, le Toubib est venu plusieurs fois te maintenir en vie avec ses potions.
L'ardoise est vite accumulée. L'ardoise est vite Ok. accumulée, mais c'est pas donné. Je lui ai payé ce que je pouvais, mais je lui dois. Enfin Enfin non. non, Tu tu lui lui dois dois encore de encore de l'argent. l'argent. Ok. Je Mais vois. comment j'ai trouvé ça, moi? Mieux vaut être endetté que mort dans un fossé. Combien je dois? Je n'ai pas peur de trimer. C'est pas en ramassant du purin que tu réuniras la somme. J'ai autre chose à te proposer. Mais il va te falloir un peu de jugeote. Si tu D'accord. me prouves que t'es un petit malin, je pourrais te confier une mission qui te rapportera un paquet d'argent. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Bah bien sûr. Qu'attends-tu de Qu'est-ce que moi? tu attends de Bah moi? bien sûr. Une broutille. Il suffit d'aller chercher un truc à quelqu'un et de l'apporter à quelqu'un d'autre. D'accord. Ça En s'assure de ne outre, pas se faire prendre. c'est Ouais, donc assez facile globalement. comme motif pour se ne pas se faire prendre. Pourquoi quelqu'un voudrait-il me surprendre sur le fait? T'inquiète pas, c'est un petit boulot comme un autre, sauf qu'il demande Des bonnes une dispositions bonne morales. disposition Les morale. cadavres, ça te pose problème. Les Bah, je viens de cadavres, perdre mes c'est mon parents, donc problème. globalement, un Aucun peu, homme ouais. respectable ne devrait les manipuler. C'est au C'est au bourreau de bourreau le de le faire. faire. Bah ouais, tu Tu m'étonnes. croyais que j'allais te filer une charrue et t'envoyer travailler au champ? Tu vas creuser, mais pas au même endroit. Il faut que je sache si tu vas invoquer de grands préceptes. Pas de questions, Je ne suis vas-y. pas certain que faire ami-ami avec des cas. C'est toi qui vois. Je t'ai donné l'opportunité de rembourser ta dette. Ou sinon, crois-moi. Que Dieu vous accompagne. Bah si, finalement, si, je vais prendre le travail au final. J'ai Moi, changé j'accepte ta d'avis. mission, ouais. Je vais faire ce que tu me. T'as retrouvé la raison, hein? Tu sais ce qu'il te reste à faire? Récupérer la bague Oh, aussi c'est rapidement. horrible. Faut plus trouver une Où t'en as pelle. trouvé une? Il y en a une dehors. Poser contre le chariot, ok. Pourriez-vous apprendre à accrocher des serrures? Je vais essayer de récupérer. Alors du coup, pareil, c'est une astuce qu'on m'a donnée. Essaie de déverrouiller ce coffre. Essayer de déverrouiller ce coffre. Oh, par contre, c'est vraiment beau. Franchement, c'est très très beau. Franchement, hein, je suis vraiment fan de la patte graphique du jeu. Tu m'as dit de déverrouiller ce coffre, ok. Il faut saisir fermement le crochet dans la main droite pour sortir la gâche. Ok. La main gauche sert à tenir la lame qui doit serrer. Tu fais comprendre? Bien. À présent, tourne la serrure avec la lame sans D'accord. oublier de maintenir la gâche avec le crochet. Sinon, t'es bon pour tout recommencer depuis le début. Ok. Faut que je trouve le point de pression. Je trouve pas le point de pression là. Oh là là, c'est une plaie à faire ce truc. Où est le point de pression là? Ouais, tourne la serrure D, ça fonctionne pas. Il faut que je trouve le point de pression. Ah, juste ici, le point de pression est là. Trop forcé et cassé le crochet. T'aurais pu t'entendre depuis Gutenberg. Regarde. Oh là 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 là, c'est chaud. Et voilà, Wouah, tellement maintenant, dur en vrai. attention. Ce coffre est fait pour s'entraîner. Pouh. S'il s'agissait d'une vraie serrure, il faudrait garder le crochet en main. Oh mais t'es marrante. Franchement là, le système de crochetage est super hard ici, sincèrement. Dans ce jeu-là, le système de crochetage est vraiment ouf. Autant dans Skyrim, il est assez facile, mais autant là, c'est vraiment difficile. Bon bah déjà, je vais fermer ça, pour éviter qu'il me voie. Et je vais continuer à m'entraîner sur des serrures. Parce que oui, c'est un conseil, effectivement. Oh tiens, des champignons, je vais récupérer. Je sais pas si c'est bon, mais on va tenter de les récupérer quand même. Je sais pas si, voilà, on vous l'a dit ou pas, mais moi, j'ai regardé un peu dans les infos. Et il s'avère que franchement, alors oui, il y a de quoi bouffer ici, c'est pas mal. De l'hydromel et du vin, bah je vais prendre le vin, tu sais quoi. Hop, voilà, je prends tout. Je sais pas si on l'a dit, mais franchement, le système de crochetage dans le jeu est vraiment extrêmement difficile. Ok. Pas du tout intuitif, je trouve. Bon, ça va, j'arrive à m'en sortir petit à petit. J'ouvre des bandages. Hop, bon, parfait, je vais prendre des peaux de mouton aussi. Ça, je pourrais toujours les revendre. Et un gourdin, les gourdins pèsent de lourd quand même, deux. Je vais prendre. Du coup, je m'en vais ici. Hop, je reviens là. Genre, j'ai rien fait, pas de problème. C'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma. Voilà, donc tout va bien. Alors du coup, je sais que là maintenant, c'est mon nouveau. Mais par où je passe? Ok, je dois passer par là. Donc c'est mon nouveau, un peu... ma nouvelle maison, voilà. Grâce à... Oh, un cochon. C'est grâce à ma chère Thérèse qui m'a pas mal... Qui m'a pas mal... Enfin, ça m'a pas mal aidé. C'est qu'elle m'a carrément secouru, quoi. Donc... D'accord. Alors du coup, où est-ce que je me retrouve? Parce qu'il m'a emmené je sais pas où. Alors faut que je regarde où je suis. Moulin de raté. Nouvelle quête de DLC. Et... aller voir le seigneur Radig. Ok. Récupère la bague du défunt. Moulin de raté. Je vais aller au moulin de raté, voilà. Je vais aller au moulin de raté. Je vais retourner dans la base. Je vais voir si j'ai besoin de manger, dormir, me reposer. Et après on part à l'aventure. J'aimerais bien aussi pareil me laver un petit peu. Parce que j'ai vraiment mes tenues qui sont crades. Et je sais qu'il y a une auge pas trop loin. La hache pour la prendre mais j'en ai pas besoin.
J'ai demandé où était la pelle tout à l'heure. Et le mec m'a dit que la pelle était à côté du chariot. Le chariot est là, mais je vais pas trouver la pelle. Bon, déjà, c'est pas grave, je vais essayer de me laver un peu. Je fais ma toilette. Voilà, déjà, je vais me sentir beaucoup plus propre, je pense. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, bah déjà, on est plus propre. On est quand même beaucoup plus propre, là, déjà, c'est bien. Ça, c'est vachement bien. Où est la pelle, du coup? Il m'a dit à côté du chariot. Ah, bah là, justement, là, je suis bête. Donc, la pelle, je l'ai. Par contre, je pense que je vais être un peu lourd en prenant la pelle. Ah non, même pas, ça va. Ah si, je suis surchargé. Ok, faut que je regarde. Alors, qu'est-ce que j'ai en trop? Des bondages, ouais, bouclier Thunberg, ouais. Le problème, c'est que je peux rien acheter, tout est important ici. C'est quoi? Alors, pareil, du coup, ils m'ont dit que j'avais des trucs que je pouvais pas équiper. Ça que je peux pas équiper, je comprends pas trop là. Non, c'est bon, bah ça aurait dû être bon. Alors, le gilet en cuir, à la limite, je vais le dégager. Je vais le dégager. Je te dégage, tant pis, je m'en déséquipe. Et du coup, hop là. Voilà, très bien. Donc je suis assez grand maintenant, je suis assez large. Je suis assez... Bon, je suis pas trop lourd. Est-ce que j'ai un cheval qui traîne ou je vais tout faire à pied? Je pense que mon cheval est... Alors je sais pas où est mon cheval, mais bon, tant pis, je vais devoir y aller à pied, je pense. Alors, on va regarder au niveau de la map. Qu'est-ce que ça donne? Donc il faut que j'aille où, moi? Que les choses soient claires. Il faut que j'aille jusqu'à là-bas. Ok, jusqu'à là-bas. Bah j'ai de la route à faire. Du coup, je pense vous faire un petit accéléré au cas où. Je vais continuer à filmer, voir s'il se passe un truc sur la route. Et bah je vous dis à tout de suite. Et bien du coup, je viens de me rendre compte que finalement, j'ai pris la mauvaise direction déjà. Si vous regardez bien sur la map, je suis parti tout en bas, je suis descendu, hein, j'ai suivi le chemin un peu comme un nier. Je suis arrivé bam 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 par là et je me suis rendu compte que finalement le chemin était bloqué. Donc il faut que je passe par là et que je vienne ici pour récupérer. Donc il faut que je change de chemin. Mais en plus, j'ai pas assez mangé, enfin j'ai encore faim. Et j'ai surtout pas encore assez d'énergie non plus. Donc j'ai peur de me retrouver un peu embêté. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à manger? Crochetage très faible, très facile, bah bouge pas, c'est maman ou jamais. Je vais fermer pour être quelqu'un me voit. Thérèse me fait confiance et elle dort, donc on va crocheter. Ça devrait m'entraîner quand même pas mal. Hop là, oh bah dis donc celui-là, en même temps il était très facile, donc c'est cool. En même temps ça entraîne ma compétence, hein. Je peux voler des choses, donc des bandages et ouais, j'ai rien à... Oh la peau de sanglier qui coûte 4, elle me rapporterait... elle prend 4 en poids, mais par contre elle me rapporterait pas mal. Bon, c'est surtout histoire de m'entraîner. Déjà, je vais essayer de manger un truc. Alors, nourriture. On va manger du petit pain. Tac. Alimentation, je suis à 73. Prendre un peu de vin. 88. Par contre, je suis à moitié pété. Vous avez gagné un niveau en alcool, ok. Essayez de dormir un petit peu. Donc hop, on va dormir un petit peu. Alors, je vais essayer de dormir jusqu'au... Bah, tu vas faire un gros dodo. Et tu vas manger... Enfin, tu vas dormir jusqu'au lendemain à 5h du matin. Voilà. Ça va être sympa parce que au moins, je vais avoir toute mon énergie. Par contre, j'ai perdu un peu d'alimentation. Je vais avoir un petit peu faim, mais c'est pas grave. Voilà, au moins, je vais au moins pouvoir pas laisser passer la nuit tranquille. Je serai full énergie, ça sera pas mal. Et puis comme ça, j'aurai toute la journée devant moi pour agir. J'ai pas envie, j'essaie de me caler en fait. Je veux pas essayer de vivre la nuit pour finalement dormir le jour. C'est pas hyper optimal et c'est pas très RP. Hein. Ouais, enfin, il fait quasiment nuit déjà. Tiens, le menu est là. Il y a toujours pas de bouffe. Ouais, est-ce que je peux trouver un truc à manger? On va ouvrir. De toute façon, c'est mon coffre. Je sais pas pourquoi je me pose. Alors, il y a du pain. Je vais le prendre. Prendre petit pain aussi. Voilà. Ok, ça, on pourra jeter aussi. Alors, je vais retourner ici. On va manger. Alors, nourriture, on va manger le pain. Voilà, tout va bien. Je suis à 108 en alimentation, donc tout va bien. C'est bon, je suis prêt. Il n'y a plus qu'à, donc j'ouvre. Hop, et maintenant, je vais sortir en pleine nuit. Donc, je vais quand même, pour l'instant, m'équiper de ça. Hein, voilà, c'est plus qu'intéressant. Et puis, du coup, je vais me faire la petite route, donc, comme d'habitude... En solo, hein, donc faut que j'aille par là, du coup, ça serait ça. Est-ce qu'il y a des chevaux par là? J'aurais bien essayé de voler un cheval, enfin pas voler, mais emprunter, on va dire, un cheval. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai pas trop le choix, mais c'est pas grave, du coup. Je vais simplement tenter de... Alors, on va regarder quand même que je fasse sur la bonne route. Oui, voilà, c'est la bonne route par là. Ok, bah j'ai plus qu'à y aller. Bah du coup, j'ai fait un petit accéléré, je vous dis à tout de suite.
Alors, du coup, me voilà arrivé. Finalement, je viens de comprendre, en fait. Plus sérieusement, je viens de comprendre pourquoi elle m'a envoyé à cette période-là. Tout simplement parce qu'en fait, si on est logique, je suis censé faire une action illégale, c'est-à-dire déterrer un mort pour lui voler sa bague. Donc bien sûr qu'il va m'envoyer en pleine nuit, pas en pleine journée. Donc je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai été très 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 stupide de... j'ai vraiment été stupide, pour être honnête, d'attendre la nuit, enfin la journée. Mais bon, c'est pas bien grave. Alors, voyons voir ce qu'on a à faire ici, du coup. Le bon larron, du coup, récupère la bague du défunt, nénia, ok. Augmenter lorsque j'étais inconscient, lui me dire pourquoi. Le meunier a payé 50 gros chaînes à l'apothicaire pendant que j'étais inconscient. Il veut que je rembourse ma dette, d'accord? La bague d'un homme qu'on a enterré sous la potence. Sous la potence. Donc la potence serait... Je sais pas où est la potence, moi. Ah, ça serait là-dessous. Du coup, il faudrait que je m'équipe de ma pelle. Du coup, soyons nets, il faut que je m'équipe de ma pelle. Donc, hop. Ah bah non, j'ai pas m'en équiper, donc il faut juste que je trouve le point où je dois creuser. Ça serait... Je sais pas où c'est. Honnêtement, je sais pas du tout où c'est. Est-ce qu'il y aura un point, peut-être, par exemple, où je devrais... Normalement, je suis censé être dans la zone, là. Par contre, c'est bien fait. C'est mes traces de pas, ça? Ah ouais, ça doit être mes traces de pas, je pense. C'est assez bien fait, quand même. On va pas se mentir. Sous la potence, tu me dis. Mais la potence, pour moi, ce serait ça. Hein. Tu vois, genre, pendu par là, tu vois. Je pense que ça serait quand même par là. Donc, je sais pas trop... Je sais pas trop... Ah! Découvrir un truc. Valériane. Ah, c'est de la valériane. On peut cueillir des fleurs. Tu sais quoi, je vais en cueillir plein. Et tu sais pourquoi? Parce que je me dis que quand même, je dois la vie à Thérèse. Donc si je peux lui offrir un beau bouquet de fleurs, bon beau, c'est pas ça, mais si je peux moi lui offrir un bouquet de fleurs, ce serait, je pense, assez intéressant et puis normal. Ah, j'ai même des orties. Tiens, je vais offrir un paquet d'orties. Je pense qu'elle va être très contente. Tiens, merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie. Voici des orties, du coup. Voilà. Voilà, voici des orties. Ça fait plaisir. Je pense aussi, pareil, pouvoir les vendre ou m'en servir pour une chose. Donc je me dis que ça peut être très bien de tout récupérer. Je sais pas encore trop à quoi ça me servir, pour être honnête, mais je pense, pourquoi pas, pour la chimie, donc pour pouvoir me faire des potions, ou même à la revente. Donc du coup, je récupère tout. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, de plus intelligent à faire, mais même si je sais pas trop à quoi ça me servir pour le moment. Mais bon. Donc pareil, ça, je ne savais pas qu'on pouvait aussi récupérer des plantes directement dans la nature. C'est logique, j'ai envie de vous dire. Mais j'avoue que je m'étais jamais posé la question. Donc bon. Du coup, je vais m'arrêter là, sinon ça va être assez désagréable pour vous à regarder, je pense. Ça sert à rien de trop forcer. Du coup, ça n'empêche que je sais toujours pas trop creuser. Là, il y a des... Oh, quand même assez trash quand même ce qui se passe là. Faudrait que je creuse là du coup. Alors attendez, laissez-moi m'équiper. Non, je peux pas, vraiment, je peux pas m'en équiper de la pelle. Donc, il doit y avoir un point et je pense que je vais pouvoir appuyer sur le bouton, mais... Regarde, on est bien là quand même. Récupère la bague du défunt pour meunier pêcher. Ok. Bon, il doit y avoir un truc. Faut qu'on cherche un petit peu. Ouais, je vois pas là. Ça se trouve, vous devez être en train de vous arracher les cheveux, dire, mais c'est juste ici, c'est sous ton nez. Et je vois pas moi. Mais ça doit être assez frustrant pour vous. Donc du coup, pareil, je pense du coup faire une petite ellipse. Le temps de trouver du coup. Je vous dis à tout de suite. Ah, bah voilà. Bah du coup, en me promenant, j'ai trouvé. Donc il faut que je creuse là. J'espère juste que personne ne va me voir en fait. Surtout ça, quoi. Puis ça m'embête un peu de le faire, mais après tout, hein, la morale douteuse, c'est bien, mais voilà. Je veux dire, il doit s'en sortir, je dois de l'argent à quelqu'un. Laissez ça en paix. Rien à la main gauche et la droite. Merde, rien non plus. Où est cette fichue bague? Faut que j'aille retourner du coup voir. Ouais. Cette odeur je vais m'en aller du coup. Tu m'étonnes, tiens, déterrer un cadavre. C'est. J'aurais vraiment tout fait sur cette chaîne. Hein. Déterrer des cadavres, récupérer des plantes. J'aurais quand même tout fait. Bon, voilà. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui peuvent se vanter et dire hey, les gars, dans un jeu vidéo, j'ai passé du temps 20 minutes de mon temps à déterrer un cadavre. Je me demandais pas à quoi ça sert. Mais bon, voilà. En tout cas, bon. Du coup, est-ce que par contre là on peut faire un retour? Enfin, un retour rapide du coup, un... Ouais, pas mal. Ah, on pouvait passer par là aussi. Je savais pas qu'on pouvait passer à travers champs. Bon, par contre, au voyage rapide, oh, c'est de la balle, quoi. Je vais pas vous mentir. Ça fait vraiment plaisir, je trouve, le voyage rapide. Parce que là, refaire tout le chemin à l'inverse, ça aurait été un peu galère. Soyons honnêtes. Donc, ça fait quand même plaisir. Alors, nous revoilà du coup à rater. Enfin, pas à rater, mais dans notre moulin. Donc, je vais aller voir le meunier. Eh mec, explique-moi ce qui se J'ai dû passe. soit sanctifié.
Il n'avait aucune bague sur la place. Mais aucune bague. Du calme, du calme. Si le défunt portait pas de bague, je vois où tu veux en venir. Oh, ne vais pas les voler. T'es un petit futé, mais je te déconseille d'aller lui en parler. Il est un peu susceptible concernant le pourrage des cadavres. Il voudrait mieux aller le chaparder directement chez lui. J'accepte. Ouais, pas de problème. Il doit être dans un coffre quelque part chez lui. Déjouer les serrures. Non, espèce d'abruti. Je fais enfin ça arnoble de d'ouvrir avec l'arnoble d'ouvrir avec délicatesse et discrétion. Comme on déflore une jouvence élève, hein. Ravi d'apprendre que tu n'es pas aussi en. Ok. Peux-tu me dire, ouais. Comment ses habitants se calissent. Ouais, au pire des cas, je m'en fous. Je m'en fiche un peu de sa vie, donc t'as amené le dialogue. Donc maintenant, il faut que j'aille chez un mec, du coup, c'est ça? Alors attends, dis-moi tout. Il faut que j'aille où maintenant? Les choses soient claires. Nouveau quête de la DLC, ouais, je vois. Il faut que j'aille. Oh là là, mais j'en viens. Je vais pas faire tout le chemin quand même. Oh non, ils abusent, ils me font faire tout le chemin encore une fois là. Oh non, oh la déception. Bon, maintenant on sait qu'il y a un chemin par là, donc j'ai tenté d'y aller de ce côté-ci. C'est par là, hein, soyons honnêtes, c'est par là. Enfin, je vais regarder parce que je suis un peu largué. Ah non, c'est de l'autre côté. Ils me font faire tout le chemin inverse, ouais, je suis un peu déçu là, franchement. Je les trouve dur. Là, je les trouve vraiment dur, mais en même temps, bon voilà, on a une dette à rembourser. Donc j'estime que Gar, en quelque sorte, hein, soyons honnêtes, il a un peu en droit de me demander ce qu'il veut, sachant que je dois quand même de l'oseille et je dois aussi la vie, enfin même si je dois la vie à Thérèse, ça n'empêche que ça reste quand même lui qui a quand même payé les soins, et puis voilà, c'est quand même chez lui, hein, officiellement, s'il avait dit non dès le début, j'aurais pas pu être là, donc je lui dois quand même la vie, donc bon, voilà, je vais pas jouer le difficile, du coup j'ai envie de foncer par là, bah on va faire le tour comme on a fait tout à l'heure. C'est pas le chemin plus rapide du coup, mais au moins le chemin là je le connais. Je sais qu'il est bon, donc autant me faire plaisir, même s'il est un peu longué, c'est pas bien grave. Donc ouais, ça va être assez important, je trouve, de remplir notre dette, parce que je veux qu'on reparte sur de bonnes bases avec, avec Thérèse. Et si je commence un petit peu à... Si je dois déjà de l'argent à son oncle, je pense que pour nos affaires hein, de cœur, parce que bon voilà, ma Bianca, du coup ma fiancée est morte. Je vais pas rester célibataire toute ma vie. Henri n'est pas genre de gars à rester célibataire toute sa vie. Soyons honnêtes, ne serait-ce que deux minutes. Donc du coup, voilà, j'estime quand même que on peut faire les choses bien. Et je veux être cool avec, avec Thérèse. Et une fois que j'aurai remboursé la dette auprès de son oncle, déjà ce sera beaucoup mieux pour nos affaires de cœur. Et puis même pour moi aussi, une question d'honneur aussi, le mec m'a sauvé la vie, je dois de l'argent, même si le mec est pas très très honnête, soyons plus qu'honnêtes, hein. Le mec est loin d'y être, justement honnête, il a peu de scrupules et tu sens qu'il cherche le pognon, mais d'un autre côté, c'est pas bien grave, j'ai envie de te dire. Ma femme a embauché un Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Pourquoi vous voulez ma mort, vous? Bon, tant pis, écoute. Voilà, terminé. Hop! Oh là 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 là! Je vais me faire défoncer moi, au nombre qu'ils sont! Ok. Hop là! Coup d'épée! Coup d'épée! Autre chose? Malédiction! Hop là! Coup d'épée! J'ai une épée, pas eux! Ouf! Par contre, ils me mettent cher petit à petit là. Alors, hop, coup d'épée! Hop là! Tiens, lui on l'achève! On l'achève, on lâche pas! Ok, lui il est mort! Hop là! Coup d'épée aussi! Coup d'épée. Et toi maintenant, tu veux aussi ton coup d'épée? Tiens, coup d'épée sur la gueule, tiens, crève. Fou, hey, il voulait ma mort, hein. Il voulait ma mort, hein, ces cons-là. Bon, bah, j'ai pris quelques dégâts, mais ça a l'air d'aller, je pense. On va quand même piller, je vais regarder ce qu'ils ont. Oh, ils ont de la bière sur eux, du bon vin. Pas mal. Par contre, je suis surchargé, ouais. Conservateur mal par le mal. Ok. Qu'est-ce que toi, tu as d'autre? Bon vin, je vais prendre. Conservateur, je sais pas ce que c'est. Mal par le mal, potion de barde. Très bien. Et puis toi, du coup, qu'est-ce que t'as là? Bon vin. Je récupère, ça peut se vendre un petit peu. Vin de basse qualité, par contre, ça c'est un peu la galère, mais tant pis. Et une coiffe qui me rapporterait 36 à vendre. Et des souliers, mais les souliers sont lourds à porter. Bah tant pis. Du coup, j'ai tué des bandits sur la route. Au moins, heureusement que j'ai filmé, du coup, que j'ai pas arrêté l'enregistrement. Donc c'est assez plaisant. Du coup, toi, le bouclier, j'ai envie de le lâcher d'un autre côté parce que je m'en sers jamais. Et pour être honnête, il est lourd, quoi. J'ai envie de le lâcher, mais il vaut quand même assez cher. Puis je l'ai volé, alors ça m'embête un peu de le lâcher. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lâcher, du coup, la coiffe. Coiffe rembourrée. Elle a 3 en défense, elle est quand même mieux.
C'est quoi le conservateur du coup? Info. Augmente de 50% la fraîcheur de la nourriture. Ah pas mal, 50% c'est cool. Qu'est-ce qu'on part se séparer? Toi tu coûtes 4 mais en même temps tu me rapporterais 50 à vendre. Qu'est-ce qui prend de la place? Oh le gourdin. Le gourdin il vaut 2 et il me rapporterait que 26. Donc je vais le déposer. Ce sera un peu possible de le séparer de ça. La pelle. Est-ce que j'ai vraiment besoin de la pelle? Je pense pas maintenant que j'ai déterré tout ce qu'il faut. Moi je me dis j'aurais peut-être dû la garder sur moi. Écoutez, au pire des cas, je sais qu'elle est à côté du sanctuaire si jamais j'ai besoin de la pelle. Donc au moins, ce sera bon. Bon bah par contre, c'est vrai qu'il faut toujours rester sur ses gardes. Mais le mec au début me parlait genre, hey, ma femme engage un assassin, je sais pas trop quoi. Et par réflexe, j'ai sorti l'épée. Donc ça se trouve, c'est pour ça qu'après, il a calé, je vais te massacrer. Mais c'était marqué bandit d'un autre côté, donc des bandits allaient forcément m'agresser quelque part. Après c'est pareil, ils étaient plusieurs. Donc est-ce que le mec était pas simplement en train d'essayer de faire diversion? Ça je pense qu'on le saura jamais du coup hein. Je pense qu'on le saura jamais mais bon. Vaut mieux être trop prudent que pas assez je pense. Donc voilà, au moins ce sera fait pour ce coup-ci. Alors du coup est-ce que je suis comme dans la bonne direction? Je vais quand même regarder parce que ça m'intrigue. Ah je vais quand même Michel, bon en même temps ils avaient pas d'épée. Mais il y en aurait un des deux, enfin un des trois qui aurait une épée Ouais c'est bon, je suis sur la bonne direction. Ok, tout va bien. Par contre ça serait bien que je puisse essayer d'augmenter un peu le poids personnage, niveau principal. Cavée nocturne, ouais, brute, ok, très bien. Ça on a vu, force. Forteresse. Est-ce que j'ai des points à dépenser ou pas? Agilité, vitalité. Ah, coureur de fond. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ça du coup? Info. Vous courez 20% plus lentement mais aussi plus longtemps, d'accord? Ou alors, vous courez 20% plus mais sprint conserve 20% d'endurance, non? Ou alors, vous saignez plus lentement. Je vous ferais bien coureur de fond, je préfère courir un peu plus lentement mais plus longtemps. Je pense que c'est... Je pense que ça se fait pas mal, donc on va l'apprendre. Voilà, j'apprends cet atout-là. Ça va être beaucoup... Éloquence. Je peux toujours pas apprendre quoi que ce soit. Ok. Au niveau d'éloquence. Bon, bah, c'est pas bien grave, d'un autre côté. Par contre, on peut voir que la vitalité, voilà, ça vient d'augmenter, c'est cool. L'éloquence aussi, c'est en train d'augmenter petit à petit. La force, pareil. Donc, bientôt, j'aurai des points à dépenser. Donc, c'est assez cool, je pense. Alors, du coup, l'alimentation, je suis bien nourri. J'ai pas mal d'énergie, j'ai pas mal d'endurance. Donc, tout va bien pour moi, dans le meilleur des mondes, là, pour le coup. J'ai pas l'impression qu'on court... Ouais, si, on court un peu plus lentement, c'est clair. Mais j'ai pas l'impression que la barre diminue plus lentement. Si, ouais, si, ça doit être... Bah, si je le dis, hein, c'est que ça doit être ça. Hein. Je vais pas commencer à me prendre la tête et à remettre en doute les choses. Du coup, par contre, on va quand même se méfier parce qu'il faut qu'on vole. Faut qu'on vole, faut qu'on crochette quelque chose. Donc, est-ce que ça serait pas mieux d'attendre la nuit? Je vais regarder déjà où il est, ça se trouve, il est parti bosser, il est pas là. Je vais me promener dans le coin, style de rien. Tout va bien. C'est pareil, je suis pas quelqu'un non plus très discret vu l'armure que j'ai sur moi. Y'a du monde ou pas? Pour l'instant je vois personne. Oh un gentil chien. Ah merde, bois pas sinon tout le monde va savoir que je suis là. D'accord, c'est un chien de garde quoi. Ok. On va essayer de pénétrer ici discrètement. Il aboie mais je suis trop loin maintenant normalement. Je suis trop loin. Ah je peux pas passer par là. Ok, je peux pas passer par là. Ça va être assez compliqué du coup. Allons-y discrètement. Donc. Ouais d'accord, c'est ici, il faut que je vole. Hein. Le bon larron. Rembourser le traîneur, d'accord. Retrouver la bague dissimulée chez le bureau et la dérober. Le bourreau, pardon, pas le bureau, mais le bourreau. Oh, il est là. Il m'a pas vu. Oh le coup de chance énorme. Il m'a pas vu, son chien non plus. Ah merde, là je viens d'être cramé par le chien. Ok, personne me voit. Je vais me planquer ici en attendant. Je suis dans un lieu privé. Ok. Alors ici tout va bien. C'est pas grave, je suis pas dans un lieu privé. Mais là par contre, attention, c'est privé. Oh, avec tout le purin, c'est cool ça. Vraiment très bien. Il y a quand même pas mal de chiens de garde. Si je rentre, ça fait quoi du coup? Crocheter facile. Ok, je vais crocheter. Alors vite on se dépêche par contre. Dépêche-toi avant qu'il arrive. Point de pression est là. Non j'ai échoué. Merde. J'ai échoué, ok. Où est nouveau point de pression? Là. Débloqué. Ok super. Je vais rentrer. Discrètement, je ferme la porte pour éviter qu'il se rende compte de quelque chose. Oh là là, je suis tendu. Espérons qu'il n'y ait personne. Là, je vais peut-être bouffer. Non, ça, je verrai plus tard. Je suis pas là pour manger.
Ah, le coffre, à mon avis, c'est là. Ok, vite, on crochette, on crochette. Le point de pression, point de pression. Eh, je suis, en vrai, je suis, ça me tend. Super, on a débloqué. Du coup, on va voler la bague. Tunique de monde. Mince, c'est pas le bon. Chapeau en feutre. Oh merde. Désolé. Désolé. En vrai. Ouais, t'es là, je sais. Mais en vrai, c'était pas le but. Ok. À droite. Petit coup en haut. Petit coup sur le côté. Encore. Encore. Oh là 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 là, ça la fout mal. Encore une droite. Hop. Oh là là, à chaque fois il mène dérouillé. Alors vite, on l'enchaîne, on l'enchaîne, on l'enchaîne, on l'enchaîne. Allez, on va le mettre une droite. Ah merde, j'étais cramé, j'étais cramé. Petite droite. Encore une petite. Oh là. Une grosse droite. Merde, il m'a cramé. Allez. Grosse droite. Petite droite, petite droite. Oh là là, à chaque fois il me fait mal. À chaque fois il me fait très très mal. Petite droite. Encore une petite. Une grosse. Qui m'a esquivé. Allez, encore une. Allez, encore une. Encore une. Oh. Joli coup. Bah tu m'étonnes. Encore une. On vient de mettre que des petites droites. Oh oui, parfait, ça marche bien, petite droite. En général, ça a l'air de plutôt bien passer. Allez, on le matraque, on le matraque, on le matraque. Oh là 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 là, sérieux, 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 c'est pas possible. Allez, allez, encore. On matraque. Merde. Merde, bah tu m'étonnes, merde. T'es un homme mort. Ah ouais, mais en vrai, il me met une dérouillée, hein. Sincèrement, il me met une dérouillée. Tiens. Ah, je suis bloqué. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Dans le décor. Attends. Lâche, arrête. Tab. Ok. Oh là là, mais le mec est beaucoup trop chaud. Allez, encore. Oh là 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 là, j'ai une hémorragie. Oh là là, je vais crever. Je vais crever. Je vais crever. Stop, stop, je lâche mes armes, je lâche mes armes. J'arrête. J'arrête, j'arrête. Je pars en courant. À l'aide. Au secours. Au secours. À l'aide. Et derrière moi, il va me crever. Il va me crever, vite, je me barre, je me barre, je me barre, je me barre. Oh, il m'a tué, il m'a tué. Ok, donc je suis mort. Du coup, j'espère que la sauvegarde, la dernière sauvegarde, est pas trop trop loin, si possible. Ok, du coup, on se retrouve encore une fois, donc ici. Il faut que j'aille déterrer cadavre pour rien, je le sais. Je suis un petit peu découragé, pour être honnête. Maintenant, je sais que c'est pour rien, mais bon, bah, c'est pas grave. Voilà, on aura joué le jeu, on aura tenté le coup. Du coup, c'est pareil. Du coup, je pense que je vais tenter de le refaire en off. Donc, je vous dis à tout de suite, du coup, dans la maison du gars que je vais essayer de cambrioler. A tout de suite. Alors du coup nous revoilà hein, chez le gars. Comme vous pouvez voir les icônes en bas, c'est que je me suis blessé aux deux jambes. En marchant, je me suis blessé, je suis tombé dans une falaise et puis bah voilà. Donc du coup j'espère que cette fois-ci ça va mieux se passer que la dernière fois. Donc le mec est là, on va essayer de lui parler un petit peu pour voir. Essayons de parler, peut-être que formateur, certains personnages peuvent enseigner certaines leçons. Hein. Essayez de le faire sortir de chez lui. C'est le meunier Péchec qui m'envoie. J'étais vraiment désolé, mais il m'a dit qu'il avait commis une erreur entre donneur commande et qu'il ne vous a pas donné le poids exact en farine. Vous devriez aller chercher la différence. Il ne vous a pas donné le poids exact en farine. Vous devriez aller chercher la différence. Quel escroc, combien il me doit? La moitié d'un sac. C'est toujours bon à prendre. Sans blague, c'est pas rien. J'y vais de ce pas. Ah, j'ai réussi à l'arnaquer. Du coup, au lieu de le voler direct, il y va en courant. Du coup, j'ai plus qu'à aller voler chez lui pendant qu'il est parti. Non, il suffit juste de lui parler. Parce que je suis bon en éloquence. Mais ça fait plaisir ça. Franchement ça fait super plaisir. Il est parti là-bas ce con. Bon bah du coup j'ai plus qu'à aller le voler tranquille du coup. Ah ça fait plaisir. Ah si j'avais su ça tout à l'heure. Bon, sinon moi j'aurais pas été obligé de tout recommencer quoi. Ça fait déjà... Par contre maintenant faut que je réussisse mes crochetages. Ce qui est loin d'être évident. Soyons honnêtes. J'aimerais bien un chien moi aussi plus tard. Comme eux ça serait bien. On va le crocheter. De toute façon il est parti donc je peux prendre mon temps maintenant. Où est le point de pression? Le point de pression il est où? Alors là, je trouve ni point de pression, je trouve rien. Quoi. Ah là. Ah oh, merde, ça a trop... Ok, c'est pas grave. Point de pression. Super, débloqué. On n'a plus qu'à ouvrir, mais du coup, on va se faire plaisir. Hein. Je suis dans un lieu privé, mais je m'en fous. J'ai quand même fermé la porte au cas où. Mais c'est pas mal, cette histoire de meunier, là. Il l'a bien géré, là, Henri. Bravo, je suis fier de toi, mon pote.
On va manger dans la marmite quand même. Au passage, on va même bouffer chez lui. Au passage, on va même bouffer chez lui. Qu'est-ce que je te dise? Hein, on est pièce après. Alors, hop, on va rentrer tranquillou. Au moins, on est sûr que ce soit bien frais. On n'est pas le droit d'être ici. Je sais que j'ai pas le droit d'être là. On va quand même crocheter. Hop là. Alors, concentrons-nous un petit peu. Point de pression ici. Oh, celui-là, je l'ai réussi, mais à la perfection, quoi. On va voler. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à voler? La bague du défunt. Mais ce n'est qu'un anneau en cuivre ordinaire. Ce truc ouais. Ne vaut pas un sou. Ça vaut pas un sou? Et t'es sérieusement, le mec, ça vaut pas un sou et il m'a fait galérer comme ça, venir jusqu'ici pour ça, c'est tout? Ça vaut pas un sou? Sérieusement? Bon bah faut que je retourne voir Pêchec. Ok, bah c'est pas grave, du coup je m'en vais en courant. Hop là, tout va bien. Et du coup je vais tenter de faire un qu'on soit honnête. Un chemin rapide, voilà, un voyage rapide parce que là, la grosse galère. Au passage, je vais tenter de me reposer, me soigner un petit peu aussi. Ça pourrait être plus que bien. Parce que j'ai les jambes blessées, ça faut pas l'oublier. En plus, il flotte, donc le temps un peu pourri, quoi. Par contre, c'est tout bête, quoi. Si j'avais su qu'il suffisait juste de lui parler, c'était vraiment naze, quoi. En fait, dans ce jeu, tout se résout par la parole beaucoup plus que par les armes, au final, quand j'y repense. Alors nous revoilà en place, je vais aller dormir, me reposer, je vais surtout sauvegarder la partie en fait, hein, soyons honnêtes. Je vais me prendre une douche, essayer de me faire une petite toilette on va dire, on va appeler ça comme ça. Et ensuite je vais aller re-sauvegarder la partie comme ça au moins on est sûr que je perde pas tout parce que ça fait déjà deux fois que je recommence. Et ça m'embêterait quand même pas mal de revenir dessus. Alors, du coup on va à dormir, je peux pas sauvegarder tout de suite, dormir, sauvegarder, voilà, je vais dormir, sauvegarder une petite heure. Hop, on va juste une heure, histoire de quoi. Voilà, histoire de pouvoir sauvegarder ma partie, d'être tranquille, récupérer un petit peu d'énergie au passage. On a bouffé chez voisin, donc on s'en fout, on est plus que tranquille. Alors du coup, mes jambes me font plus mal du coup. Attends, bah du coup, je me dis que pour éviter de la blessure, je vais redormir une petite heure du coup. Sans énergie, ouais, bah vas-y, bon, on va dormir deux heures de plus. Ah par contre on va être en décalé du coup, on va dormir, alors on dort la journée pour vivre la nuit du coup, ça par contre c'est pas mal, c'est mal, je voulais être justement à plus RP et vivre la journée. Ah bah du moins j'ai les jambes qui sont en bon état, c'est déjà ça. Qu'est-ce que ta femme? Ah bah parfait, elle me fait à manger. je vis au crochet des gens, c'est vraiment une plaie quoi, je vis au crochet des gens, c'est pas possible. Alors, on va aller voir, bah ils étaient dans la maison tu crois? Ah ça va être là, on va ouvrir. Où est-ce que tu es? Ah t'es là. Alors, on va parler au meunier quand même, voir ce qui se passe. Une bonne santé. J'ai la bague. Je t'ai apporté la bague. Voilà. Bien. Ça fait plaisir de savoir que tu peux gérer ce genre de mission. À présent, pars vite apporter ta bague au meunier. Il aura du travail à te confier. Et moi aussi. J'aurai bientôt quelque chose d'intéressant à te proposer. Sérieusement? Toi ne manquera jamais de travail. Au pire, je pourrais t'acheter de la marchandise risquée. Ah pas mal. Ah bah ouais, bah bien sûr, j'en prends plein, bonne note bien sûr. Merci de ta confiance. Tu peux compter sur moi. Bah oui, je vends des objets volés, j'ai plein de trucs volés moi. Voyons ce que je peux faire, un crochet, une dague. Ça c'est ce que je peux lui acheter. Je vais lui vendre du coup que j'ai vendu plein de trucs. Qu'est-ce que je pourrais lui vendre? Bah ça déjà je vais lui vendre. Hop, ajoute au panier les deux. Tac, l'écharpe rouge, la porte pas, alors je devrais la porter. Ah bah non, c'est soit écharpe rouge, soit le truc, bah déjà du coup je te vends. Les flèches on va garder, le gourdin je vais te le vendre. En plus c'est à lui en fait, je revends des trucs que je vais moi-même voler quoi. C'est comme fort, la pêche je te la vends aussi. Le vin du coup je te le vends aussi, ça me libère un peu. Donc panier, et essayons de marchander un petit peu. Je suis sûr que je peux marchander. Parler un peu du tarif. Bien entendu. Ok, il est d'accord de marchander, super, ça fait plaisir. Tu me proposes ça du coup à combien? À 29 tu veux? Je te propose 32. Que dites-vous de cette somme? Cette offre est alléchante. Un peu moins cher, ça me conviendra. Ok. Donc tu me proposes 31, je vais te proposer 30 et demi, je vais te proposer 31, histoire 2. Ouais. C'est ça, peut me convaincre. Ok, super. Mec, je suis en train de te revendre des trucs que je t'ai moi-même vendu, que je t'ai moi-même volé. Est-ce que tu te rends un peu compte de ça? Juste pour être sûr. Non, t'as pas l'air. Bon bah.
Pas de problème, du coup je peux y vendre des objets volés. Ah ça par contre c'est super. Pour me faire de l'oseille avec ça, ça va être plus que bien. Donc j'ai remboursé ma dette auprès du meunier. Plutôt bonne nouvelle. Apporte ta bague au meunier. Ouais, non, je vais faire ça quand j'aurai un cheval. Hein. Et maintenant, je vais du coup aller voir, je pense, le seigneur Radig. Je pense que ça peut être très bien. Est-ce qu'il y a moyen que j'aille dormir au moins une bonne nuit? Ah, déjà, je vais parler un peu à Thérèse aussi. Thérèse. Thérèse, toi qui es magnifique. Et franchement, elle est jolie en plus, Thérèse. Viens ici. On va parler sous la flotte. Ça arrive. Oui, c'était très bon. C'était très bon. Oui. Contente que ça t'ait plu. Tu m'étonnes. Thérèse, reviens, 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 reviens. Le bourreau des cœurs. Eh ben. Une petite promenade, je proposerais bien une promenade, mais pas en pleine flotte, quoi. Pas en pleine nuit. Et c'est surtout, non, déjà surtout pas en pleine nuit, surtout pas en pleine flotte, quoi. C'est enfin en pleine tempête, c'est pas forcément le dur optimal. Alors bon, vous ne pouvez plus dormir. Ouais, mais là du coup, ce sera déjà 2h du matin. Du coup, je sais pas trop quoi faire là, pour être honnête. Parce que bon, du coup, j'irais bien à rater quand même, histoire d'aller voir. Alors, allons voir. Du coup, raté, ça serait vers le bas. Ok, bah on va y aller, tant pis, on y va. Même si c'est en pleine nuit, c'est pas grave. Ça semble pas... Allez, tranquille, sous la flotte. Alors, on va regarder comment on fait. Un truc pas logique, les gars. Un truc pas logique du tout, faites un effort quand même. Du coup, c'est de l'autre côté, je crois. Là, je me suis garé. Ouais, c'est de l'autre côté. Ok, à partir de ce côté-ci, alors. Bah, vous savez quoi, je pense même que non, du coup, on va pas faire ça dans cet épisode-là. Parce que je trouve qu'on a déjà fait pas mal de choses dans cet épisode. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode 3. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à plus tard pour la suite. Ciao ciao.